Ce matin, mieux, bonsoir. La cérémonie a soit commencé dans le silence. C'est la partie pénitentielle, le pardon du chrétien pour toutes les fautes commises dans le monde. En nous camper tout le monde et songer, si Jésus-Christ mourit, souffrit, mourit et enterré, et c'est à cause photo, c'est à cause faute moi-même. La première partie, ça, nous voulons demander bon Dieu pour les gagner pitié avec miséricorde pour nous-mêmes. Disposer que nous, tout le monde, à nous méditer dans le silence. Faut que nous. En nous mettant à genoux, on a baissé tête, on a fermé les yeux, nous. Et on a pensé à tout ça nous fait qui n'est pas bon pendant toute l'année. Et on a demandé bon Dieu pour qu'il y ait pitié, miséricorde pour nous tous.
Levons-nous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'a livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous et écoutons la lecture de la parole de Dieu. Serviteur, le dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude a été conservée dans le royaume, car il était si défié qu'il ne ressemblait plus à l'homme. Il n'avait plus la partie surprise. Il détournera eux-mêmes une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouchés. Car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur. À qui sert-il de l'éviter? Devant lui, le serviteur a poussé comme une branche chétive, une racine dans une terre aveugle. Il était sans apparence de beauté et attire le regard. Son aspect n'avait rien de nouveau, méprisé, abandonné des autres, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voit la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour lui. En effet, c'était nos souffrances qu'il portait. Nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur nous. Or, ces blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme les peuples. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Malgré, il subit, il nous fait la bouche, comme un agneau conduit à la bataille, comme une brebis muette devant les confrères. Il nous fait la bouche, arrêtez, puis jugez. Il a été sauvé. Qui donc s'est inquiété de ce sort? Il a été retranché de la terre de vivant, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants. Son tombe était riche. Et pourtant, il n'avait pas commis de souffrance. Il a cru en ses pères. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descente. Il prolongera sa vie. En lui, ce qui plaît au Seigneur est le Seigneur. Ensuite de ses poumons, il verra la lumière, la connaissance au complet. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leur vie. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le bien. Quand il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs. Alors,
qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les péchés. Parole du Seigneur. Jésus, petit bon Dieu, c'est pour nous qu'aimer profession la foi.
C'est que nous parlons prêche en chef qui est capable de souffrir de faiblesse nous avec nous. Nous essayons de nous battre, même Jean avec nous, sauf péché. Comme ça, c'est pour nous prêcher avec confiance, pour trotter de grâce, pour nous joindre qu'est sensible, pour nous joindre grâce dans ce groupe dans le besoin. Dans le jour Christ là, ta vie ma chère, il offrit la prière avec lui, avec gloire, à glorifier, pour si là qui est capable de sauver le saut dans le monde. Écoutez, peut-être espère, mais malgré ce petit bon Dieu qui est là, lui apprend l'obéissance, dans sa souffrir, les rivets de l'éloignement pour dériver là, lui vit pour les causes et les France tout le temps. Pour tout le monde qui obéit. Parole de Dieu. Merci, mon Dieu, merci. Comme avec Seigneur, vous campez, vous ne pouvez pas acclamer l'évangile. Ne parlez pas au lard, ne parlez pas au qui cherchez-vous? Il lui répondit. Il leur dit. C'est moi, je le suis. Judas qui le reprenait se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit, c'est moi, je le suis. Ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de lui. Qui cherchez-vous? Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dit. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as dit. Or, si mon père avait l'église, il l'attira, va par le serviteur du prêtre et lui coupa de l'église. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée au fourreau, la coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors la coupe, le commandant et le prêtre se saisit de Jésus et le fit goûter. Il l'emmenait d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était contre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs. Il vaut mieux que tout seul homme meure que le peuple. Or, Simon Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte de l'homme. Alors, l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte. Cette jeune servante dit alors à Pierre, n'es-tu pas toi aussi
l'un des disciples de cet homme? Non, je ne le suis pas. Les serviteurs de l'Éternel se tenaient là. Quand il faisait froid, il avait fait un feu de graisse pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit. Moi, j'ai parlé ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ce moment-là, un lèpre qui était à côté de Jésus lui donna un chiffre. C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? Non, je ne lui suis pas. Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le dit, et aussitôt le porche. Alors, moi-même, Jésus se jeta à lui pour te voir. C'était le matin. Ceux qui l'avaient appelé n'entrèrent pas dans le pétrole pour éviter de subir et pouvoir manger à gros passage. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Il lui répondit. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent, ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs. Et il leur déclara, moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant, Ami. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats dressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête, puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit, « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre, et Pilate leur déclara, « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. »
Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu? » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, « Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? » Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu, Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la sixième heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi? » Les grands prêtres répondirent, alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne au calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, il prit ses habits. Il en fit quatre parts, une pour chaque soldat. Il prit aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et l'on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. « Mettons-nous à genoux. »
Levons-nous. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après les avoir brisés les jambes. Les soldats allaient donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisaient pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ses os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qui l'ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apporta un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Il prit donc le corps de Jésus, qu'il liait de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous. La prochaine soirée sur le jugement de Jésus. D'abord, son aberration, parce que Jésus-Christ est innocent, donc innocent, pas droit à juger. Mais le jugement de Jésus était une parodie, un prétexte pour prononcer sa condamnation. Donc, à l'intérieur du jugement, ça, on a analysé avec Oasoya et on a médité sur les trois formes de condamnation du Fils de Dieu. La première condamnation du Fils de Dieu, c'est la condamnation de la tradition. On nous dit tradition. Tradition. Encore, tradition. Tradition. Monsieur qui était responsable du temple, il te dit qu'une façon que Jésus-Christ vienne fonctionner qui n'est pas conforme à Jean eux-mêmes, ils ont vivre. Peut-être ça, Jésus doit mourir. La tradition, c'est ça nous quimbe et que nous croyons qui bon de tout ça qui passait dans mitan. En tradition, par exemple, haïtien boit soupe au mont chaque 1er janvier. Ça, c'est une tradition. 2 janvier, haïtien mange dinde. Ça, c'est une tradition. Mais si un haïtien décide pas manger soupe au mont 1er janvier, ou pas besoin de lapider pour être ça. Parce que soupe au mont, hein, c'est le noté esclave. La frère, c'était qu'on mangeait le dimanche, il y a eu qu'on banon, sous biscuit ou bien sous pain. Le nous vînes indépendants nous dit qu'on y a, puis c'est nous-mêmes qui mettent, n'a pas mangé même gens avec mettre là. Mais nous disons qu'on a mangé sous biscuit au moins une fois, deux fois, et puis ne pas faire encore. Mais nous qu'on jusqu'à maintenant. Mais au monde qui pas faire, ça va veut dire que le haïtien pour autant. En tradition, donc, il y a toujours une histoire.
qui vient avec elle, puisque le bon moment le venir, bon l'heure vient pour l'aller. Mais quand pile monde, c'est sous tradition, il fait copio. Sous tradition, il vive. Sous tradition, il fait tout à fait. Depuis on monde venir pour pas suivre tradition, j'en pour suivre lui. Moun ki gen etirel nan tradisyon an pa jam vle wè. Jésus-Christ pat vini pou detwi tout tradisyon yo. Men gen ansanm de bagay ki tap fèt, Jésus-Christ te vini pou te bouskule yo. Paske Jean-Paul pral di pi devan, ces choses étaient l'ombre de la vérité à venir. Donc, une bonne institution dans l'Ancien Testament, c'est l'ombrage vraie réalité que vous dites. Dès que Jésus-Christ vini, yo pas là encore. Une bonne reproche, il va le faire Jésus, mais il n'y a pas rendu compte. Reproche, ça n'a pas de sens encore puisque Jésus-Christ est là. Il va le reprocher Jésus-Christ, par exemple. Mais après, on va jeûner. Mais Jésus-Christ dit, là. Pour que ça puisse jeûner, puisque jeûner, c'est demander présence de bon Dieu. Mais bon Dieu, quand tu as un monsieur là, n'a qui jeûne. De la même manière, Jésus-Christ va le dire, nous allons gagner 10, 20, 30 madame encore, puisque nous allons restaurer dans bon Dieu, puisque nous allons réconcilier avec bon Dieu, nous avons besoin de retourner à Jean-Bon Dieu et mettre nous dans le jardin d'Éden. Donc, on seul mari, on seul madame. Donc, tradition 20, 30 madame, que nous avons dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ bouscule. La tradition, c'est nous-mêmes qui faisons synthèse dans ce débat qui était bon pour nous, mais nous ne sommes pas obligés de faire les mêmes gens, et nous ne sommes pas obligés de quimper, nous ne sommes pas obligés de raïmoun qui pas fait. Alors, ne soyez pas des amis de la tradition, des défenseurs de la tradition. Yo vini, gon le cas privé, yo pralé. Regardez toujours de l'avant. Chrétien ou même qui dans Saint-Anasoya, pas jamais oublier ça. Gardez toujours devant. Gon époque, nous gon façon de vivre, mais dites-vous, gon temps cas privé, bagay yo pas fait comme ça encore, que nous voulons, que nous pas voulons. Le temps a bousculé yon paquet de bagages. Pour exemple, c'est pas avec nous, coronavirus, nous t'ai gagné Internet déjà. Nous t'ai gagné YouTube là déjà. Mais nous pas jamais servir avec. Le coronavirus, moun pa ka parler de figure moun, moun pa ka ba moun lanmè comme ça. En pile moun a mouri, il vient trouver nécessité pour moun a commencer fait une série de bagages en ligne. En pile monde al travail la caillou en ligne. Gide travail que qu'on a fait fortal dans office chaque matin a conduit machine prend blocus. Mais toute bagaille ça yo voler gagay yo aller parce que vinn découvrir même ordinateur ak nan bureau là, même ordinateur ka gagne la caillou. Même programme qui dans computer nan bureau là capable la caillou. Et c'est ça qui vinn pousser nous tout. Gide coup biblique. Comme ta rassembler nous là chaque semaine pour me ta faire là avec nous. Mais qu'on y a là grâce à Internet, nous cachons à la caille et puis nous suivons le cours biblique. Yo. Et je pense que plus de monde même qui participait. Frère, je ne suis pas accroché uniquement à une façon de faire et puis pour lapider en l'autre monde pour être ça. Je vous dis, nous lisons dans le gros livre, ça, yo. Nous avons fait feuilles papier, yo. Mais nous connaissons pertinemment dans 5 ans. Nous n'avons même besoin de papier, ça. Parce que imprimer fait papier, ça, c'est un gaspillage lié. On est capable de lire dans une tablette ou bien un téléphone. Aussi simple que ça. Pas dit, sous pas le livre là, le Père a mérité lapide pour ça, ou bien l'Église a mérité fermée pour ça, ça pas l'Église encore. Non! Pas accroché avec une façon de faire, c'est tant qui devine à Avel, qu'on est capable de tant pour aller courir à Avel. C'est vrai. Pas quitter tradition, faire condamner mon qui bon côté ou faire ou pas vivre dans fraternité parce que ou pensez que Jean te qu'on fait là c'est qu'on ça le bon, ce n'est pas vrai. Nous sommes les petits
le mwak sem nan nou pral l'école. Le sem nan nan préparatoire 1, mwen nan enfantine 1, nan kindergarten. Bah, j'oublie ça. Mwen yo pran on fer. Y ap repase tête, on ma tante mwen, ki pral nan on fête. Son fer yo genye, yo metel nan réchaud du feu. Bah, j'oublie ça. Et puis, mon nan ki même kap bay la, tan santan la veye, oui, l'el pren, avant, hein, on te le fait, oui, là, m'faut tu bouler, oui, m'faut tu etc. C'était le temps. Le temps pour sem nan commencé vin grand. Moi, c'est permanent, après permanent, gen kel, kel gen te par la, mode encore. Bon, kounyam bakon sa yo fe, bise kounyam, fin outside, ouais. Sa yo fe kounyam? Lis, ouais, c'est à dire, c'est lis yo fe. Ma konn sa ka lis la, mais m'a répété le micro, si menti menti après ça. Hein, après permanent que la brique que vire tout kounya c'est lis, ouais. Donc pas dit comme ça aussi cheveux a pas fait à bout fait choa ou pas bien fait. Ça son tradition, son bail qui était konn fait tant boutel tant courir avec. Deuxième condamnation de Jésus, Jésus a été condamné par le pouvoir. On nous dit le pouvoir. Encore, le pouvoir. Monsieur qui était sous pouvoir, il était estimé que Jésus-Christ est une menace qu'il était. Parce que trop de monde a marché derrière Jésus. Et ça, Jésus-Christ était dit au fait, c'est lié au défunt. Donc, il dit, monsieur dangereux, monsieur qui a fait nous perdu pouvoir. De la même manière, il y a des gens qui remet tradition. C'est sous tradition, ils vivent. Mais il y a des gens qui aiment le pouvoir parce que c'est grâce à pouvoir le vivre, le mener. Il fait comme bal là, c'est parce qu'il est le chef. Il faut toujours chef pour faire le manger. Si l'autre monde vient pour mettre place chef li en jeu, il va éliminer. Mais il y a un problème. Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Pour qui ça? Tout le monde fait libre. Pas grand monde qui fait avec chaîne. Chaque fois on essayer dominer un monde, on va toujours essayer pour le sortir en bas. Pas de mentir dans ça. Aux parents, au gain de petit monde là caillou. Je dis à, on dit petit monde à gauche, à droite, à gauche, à droite. Dites-vous bien, petit monde dans tête les son seul bagarre l'a fait, l'a contrôler jour qu'il est pour le gonlage, il peut pour le flop. Pour le bitcoin d'ailleurs. Pour qui ça? Parce qu'elle n'est pas faite avec oppression. Elle n'est pas faite avec chaîne. Donc, moun qui besoin de pouvoir, il y a une frustration que l'a toujours vive. Grec, il y a l'épée de Damoclès. Nous sommes l'histoire ça. Je vais raconter une histoire ça déjà. L'épée de Damoclès. Damoclès était roi en Grèce. Et puis, il est toujours organisé une bonne grosse fête. Ne parler. Et puis chaque monde qui vient dans fête là, il y a tout le monde a fêté et puis Damoclès si j'étais sur trône, Damoclès triste. Et puis qu'on a dit bon, ou même qui waou il est là. Moi même ta wa pour toute fête ça a fête et puis pour me pas fêter, pour me pas pour me pas bien mener, pour me pas qu'aime pas content. Damoclès dit ah, ou t'as même fait un petit coup toi. Et ben vin si t'as sur trône, pas mal pour place en bas et puis waou ouais. Et puis, je suis trop content. Il prend place Damoclès là. C'est Wali Ekounia. Et puis, le chita, gros verre du vin l'emmené. Et puis, il est content de le fêter. Et puis, il dit comme ça. Vous voyez, yo en l'air, bon bagage. Puis, c'est le vous voyez, en l'air qui ça loue. Il y a une gros épée, une gros manchette qui était en l'air. Immédiatement que Damoclès, on fait la chaise là secouer, ou la chaise là bouger. Et puis, à saute tomber, la coupe tête, monde qui sous chaise là. Donc, monde qui sous chaise là, faut le fonger pour chaise là rester stable, pour chaise là pas jamais bouger. Voilà pourquoi Damoclès, malgré que le roi, mais il pas jamais goût ma chaise là. Là, il t'y colle tout doucement, il rete sans faire bruit, pour chaise là pas souqué, pour épée à pas couper tête li. Li te roi, c'est vrai. Li chef, c'est vrai. Li genamel, c'est vrai. L'autre monde qui vient ou elle café, c'est vrai, mais lui-même, quand elle était,
li pa ka fete. Et ça fait nèg la cour, il dit Damoclès, viens pour chez moi encore, quitte mon ba papa. Et puis il retourne là dans fête là, et puis Damoclès retourne dans tristesse là. En pile mon nous, en pile mon chef. En pile nous kon ta remé chef. Mais dites-vous toujours, ouais mon ki chef pa jam facile dominer cabane. Parce que yo toujours gon ke sauté ki les chaises là après le souké. Et depuis chaises là souké, tête yo ap coupé. Parce que malheureusement, gen pile moun pendant le chef là a fait le capable bon et depuis le pas chef encore a fait pas bon encore. Donc faut le ta toujours chef, mais le pas konn ki le pas chef, donc li pa ka vivre, li pa ka vivre et li pa ka à l'aise. Vrai chef c'est moun ki vieillit vite. Vrai chef gon jeunesse, gon ke content, gon joal pa ka gen. Et ça fait pas jam quitter folie chef ou bien place chef faut détruire moun. Parce que pouvoir ou là, li trop ingrat pour détruire moun pour pouvoir, pour goma moun pour ti place. Suivre pour des pour moun gon ti place. Li pap jam à l'aise que le pap jam poser parce que la mande killer la pral perd du place là. Le pouvoir est éphémère mais surtout le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Troisième condamnation de Jésus, c'est la condamnation de la foule. On nous dit la foule. Encore la foule. La foule a condamné Jésus. La foule, c'est cette grande majorité très souvent qui se laisse mener au gré des leaders, des fois au gré des réceptions, des fois au gré de l'alcool. La foule n'a pas vraiment une direction. L'île n'est pas là. Il y a un tambour dansé. Il y a l'autre côté de la batte bravo, le batte bravo. La foule là donc, son grand masse qu'il a, mais sans direction, sans forcément un leader, mais un pile monde estimé, y a besoin d'approbation de la foule pour y être capable de croire qu'il y a réglé un bagage. C'est une pigou et pour mon bagage fait dans la vie. Rechercher l'approbation de la foule. Fremsem, la foule n'a pas de direction. La foule n'a pas donc d'objectif. La foule n'a pas de philosophie. La foule n'a pas de critères. Je dis à l'Kabat bravo, de me le lapider. Je dis à l'Kabat content, de me le fâcher. Moi-même, je ne vais pas oublier. En 86, j'étais petit, mais le Jean-Claude Bralé, j'étais un bon esprit sur m'a suivre. Jean-Claude Duvalier, son nègre, qui était qu'on organisait en pile bamboche à Haïti, haïtien, était remé Jean-Claude, il était remé Duvalier. Duvalier était organisé concours pour tout le monde faire qui puis belle chanter. Et sous Jean-Claude Duvalier, je me songe, Gondi Azaïti qui était coupé cloué, qui font chanter, qui dit Jean-Claude Duvalier, peuple a remé, grand monde, couti monde, c'est yon seule parole, vive Haïti, vive Jean-Claude Duvalier. Avis, vous songez? Est-ce que vous songez? Vous songez le tégué à blé à sou? Est-ce que vous songez? Vous songez? Le tégué vous le fait à bord, ou non, vous songez? Le tégué mouchoir rouge là, d'un coup là, vous songez? Côté totalement coûte moi, avis, vous songez? Ouais, ok, vous songez. Nous, yon pas dit nous songez comme si c'est moins que totalement coûte là. Telle est l'école, pas de totalement coûte. Mon pauvre, les deux, t'es totalement coûte. Eh bien, même peuple ça qui dit viva et tu viens de Duvalier, même peuple ça qui dit à vie, même peuple ça qui boit bouillon, Jean-Claude Fea, eh bien, même peuple ça prend la rien encore pour dire à bah Jean-Claude, vive la médaille. La déchouquer totalement, la baille les bois. Donc, la foule n'a pas de direction. Pas jamais chercher
approbation de la foule. Pape François qui voit ça, il a un principe qu'on a dans l'église catholique. Il dit le père fin prêcher, puis que personne ne bat bravo dans l'église encore. Pour qui ça? Parce que le père a fin prêcher, et puis tout nous bat bravo. Ça veut dire prêche là, t'es belle. Qu'on a si père a fin prêcher, nous pas bat bravo. Ça veut dire prêche là, pas bon. Prêche là, pas bon. Qu'on a père lui-même, il garde qui parole lui dit, qui fait mon Dieu bat bravo. Et bien chaque dimanche, il est venu, après, il nos mêmes paroles pour nous battre bravo. Ça dit, prêche là, t'es belle. Donc finalement, Père n'a pas prêché. Père a cherché applaudissement, foule là. Mais bon, bagay, moun qui chita dans foule là, quand elle chita là, gédele, il continue à me camper pour un. Et puis c'est là où tout le monde campé. Il est campé et tout. Il fait, oh, il est campé à crever là. Okay. Il faut le camper. Père doit parler, son anglais doit pas bon. Et puis, tout le monde chita. Et puis, oh, il est chita. Il chita tout. Et puis, si mon Dieu bat bravo. Oh, il bat bravo tout. Il ne connaît pas qui met les petits. Il bravo, il bat bravo. Donc, finalement, il est dans le mouvement. Il est dans le courant. Il va suivre. Si nous vivons d'après la foule, nous perdons. Parce que souvent, dans la foule là, il y a des gens qui demandent la foule là. Ça, l'après, il dit, je ne connais pas. Moi, tout le monde est sorti. Après, il est mort et tout. Je vais le voir, même voir tout. Bon, qui m'aide, moi, par contre, depuis c'est pas quand même écrasé. Par contre, souvent, c'est qu'on s'appuie fort bagaille à passer. Quand il y a manifestation, nous, on est capable de faire. Quand il y a monde qui balade, qui par contre, bi manifestation. Il y a des fois, qu'on faut rassembler, il dit, on a relé à bas et tel. Mais comme on l'a, on va pas faire la caille. On a relé à bas. Mais finalement, vrai monde qui profite de à bas, comme de façon seul monde lié, ou bien deux grands monde. Qui se tête pareil là. Pas jamais chercher faire full plaisir et pas jamais chercher entrer dans un mouvement de foule parce que très souvent, c'est pas jamais un mouvement qui gagne direction. L'enfant de Dieu doit rester loin de la foule. L'enfant de Dieu doit s'en foutre le plus royalement du monde des mouvements de la foule, des opinions de la foule. Malheureusement, trop souvent, moi et ma voix, nous, quand nous venons dans une situation, nous avons battu nos problèmes pour sa moune pensée, pour sa moune abdi. Ou quoi, si mettez tel rat, vous n'avez pas dit c'est uniforme, m'a fait. Ou quoi, si mettez tel soulier, vous n'avez pas dit, oh, ma sœur, je vois ça déjà, oui. Bon, qui m'aille? Qui m'aille? Yo dit, je mettez ça 10 fois. Qui m'aille? Yo dit, je mettez soulier ça déjà. Bon, ça va le faire pour moi. Que yo dit, que yo pas dit. Est-ce que vente moi un people pour autant? Est-ce que les yo bat bravo pour moi? Est-ce que m'a plus l'argent dans account moi? Les yo bat bravo pour moi? Est-ce que vente moi ipso facto à plein m'a grand goût encore? Donc yo me dit matin, midi et soir, ça fait pas yo. Yo la route yo moi même moi, la route moi si ou occupé ou tellement de la foule, ou pas je me font pas en avant. Il y a donc trois instances qui ont condamné Jésus. Premièrement, la tradition. Deuxièmement, le pouvoir. Troisièmement, la foule. Nous disons encore. Premièrement, la tradition. Deuxièmement, le pouvoir. Troisièmement, la foule. Chrétien Saint-Anne était loin. Il était loin. Pas accroché à la tradition. Pas jambe folie chef. Et troisièmement, pas jamais battre tout problème pour sa peuple à raconter. Fais son gain pour faire avancer. Second passion, second bagaille aux mains, apprendre, lire, focus sur lui, étudier. Pas perdre ton dans Facebook pour regarder qui gossip haïtien de gain aujourd'hui. Qui parole qui fait la une dans la communauté aujourd'hui. C'est garder ou regarder après. Deux heures de temps passé. Et puis, on a une blague dans Facebook toujours. Et pendant deux heures dans ça, on a quand même appris qu'on est qui gens pour faire manger, on a quand même appris qui gens pour régler, et qu'on est pour set-up tel bagage électronique là, on a quand même appris un paquet de bagages, on a quand même appris une passion, on a quand même éduqué tout, on a quand même informé son bagage qu'on remet. Mais nous trois, laissez-nous emporter par ces trois instances. Et nous ne nous rendons compte, n'a participé à la condamnation de Jésus.
Donc ne condamnez pas par tradition, ne condamnez pas par envie du pouvoir, par folie chef, et ne condamnez pas avec la foule. Restez loin de ces trois instances et n'a pas grandi la présence de bon Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous, pour chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Baissez tête ou fermez les yeux et méditez un petit moment dans le silence de vos cœurs. Mettons-nous debout, maintenant nous allons prier le Seigneur. À travers ces 10 intentions, nous pourrons prier fortement dans vendredi Saint-Sar. Nous pourrons prier avec tout cœur. Mettez les feuilles là. Qu'on y a là, c'est à que nous, l'Église l'a demandé pour nous toutes la prière. En nous mettant à genoux tout le monde, nous pourrons faire une première intention pour l'Église là. Priez pour l'Église là. L'Église là va vouloir dire forcément seulement l'Église catholique, mais l'Église voulait dire assembler monde qui croient. L'Église là a pile problème. L'Église là chargée à problème. Mais problème ou même ouais, priez sur les cognards. En nous baissant tête nous, en nous fermant les yeux nous, en nous priant pour l'Église. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À nos campés tout le monde. Konya, avec tout cœur, nous allons demander pour prier pour Pape François. Pape François, extrêmement persécuté. Et je reprends, je pèse mes mots, Pape François, extrêmement persécuté. C'est la prière Paul avec la prière Pam qui peut soutenir. Tout ça, essayer de réformer dans l'Église catholique. Nous n'avons qu'à comprendre que y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas trop d'accord. Mais pour moi, on a persécuté un pape, ça son bail qui est grave. Pape François, son monde qui est humble et moins capable de dire son serviteur bon Dieu et son monde qui a un cœur. Pape Vito Kounia, ou mettez à genoux, priez pour Pape François, notre Saint-Père, le Pape François, spécialement dans le moment ça, quand il a persécuté. Et c'est tout fait mes yeux, priez pour Pape François, dans le silence fort cœur. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À nos campés. Bon, pour ça, lui-même. On va parler trop sur lui pour prier pour paix qui est dans l'église. Ok. Pas qu'à dire que ça pour demander pour moi, mais ou même, ou à demander selon cœur. On nous mettons à genoux, prier pour paix dans l'église. Nous, mais nous avons prié pour toute notre paix que nous reconnaissons, toute notre paix nous connaît qui est en difficulté. Nous avons prié pour toute paix qui était passée ici, là, au bain,
Père Hickson, Père Lormius, Père Stanley, et après Père Stanley, c'était Père Gilles. Père Gilles, nous avons prié pour toute paix que nous-mêmes, comme les Haïtiens, nous avons gagné. Opportunité pour nous gagner. Et puis, c'était pour faire mes yeux, nous prier pour tout prêtre qui aide nous. Et si on peut qui t'aide à rejoindre la foi, si on peut qui t'aide à rencontrer bon Dieu, si on peut qui t'aide à venir un plus bon chrétien, dans un moment ça, prier pour prêtre ça. On nous baisse tête, nous, on nous prier pour prêtre, nous y a. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifié gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent, que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À nous camper, tout le monde. Quatrième intention, ça, nous allons le faire pour tout le monde qui est dans le catéchisme. Tout le monde connaît ça qui a préparé pour la première communion, qui a préparé pour le baptême, qui a préparé pour la confirmation, qui a préparé pour devenir prêtre, qui a préparé pour aller marier. Tout le monde qui a une étape à prendre un sacrement quelconque, nous mettons devant bon Dieu. Parce que chaque fois que nous recevons un sacrement, une transformation qu'a faite dans nous-mêmes selon le sens du progrès spirituel. Frère, si vous connaissez un monde qui a préparé pour un sacrement qu'il pourra le recevoir, nous mettons devant bon Dieu. On nous mettait nous à genoux, on nous priait pour tout le monde ça. Tout le monde qui est dans le catéchisme, on nous priait pour yo, qu'on y a même. Mais c'était nous, on nous priait dans le silence, font que. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent ainsi place parmi tes enfants d'adoption. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À nous camper tout le monde. Quand nous allons prier, il m'a demandé de prier ça pour une faire spécial parce que son prière qui intéresse mon pile pour catholiques avec protestants suspendre goumen suspendre bataille. Alors c'est pas tellement catholique moi qui tire sur protestant, c'est surtout protestant qui tire sur catholique, mais des fois tout qu'on dit quelques catholiques capé dit des bagarres l'aide sur protestant. Que le protestant, que le catholique tout le monde sait chrétien. Nous tous n'avons pas le même Jésus, le même Christ, nous n'avons pas de bataille. Frère, nous sommes, si on a quelques pasteurs, nous n'avons pas de monde la caille ou qui est protestant, nous prions pour qu'on tête ensemble, dans le temps catholique avec protestant. Nous mettons à genoux, nous faisons prier à ça, qu'on y a même. Pour catholique et protestant, pas bataille, pour qu'on vive dans l'unité. Mais c'est peut-être nous faisons mes yeux, nous prier pour catholiques et protestants, apprennent à vivre et servir bon Dieu ensemble.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À nos campés, tout le monde. Sixième intention, nous pourrons le faire pour juifs. C'est dans la nation juive là que Jésus-Christ est pour naissance. C'est juifs qui étaient cloués sous quoi? Mais je vous dis, nous reconnaître que puisque Jésus-Christ est fait dans la nation, ça, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, si il y a qui beaucoup capable de connaître que c'est Jésus-Christ et qui sauveur et qui Messie, la prière bon Dieu pour eux, pour eux capables de prendre place yo, à l'intérieur du peuple élu. Pour tout juif, yo, c'est le moment pour nous prier dans le moment ça. On mette nous à genoux, mettez tout juif sous terre, tout juif dans le monde. Et aujourd'hui, yo en guerre, yo, parce que tu es attaqué par Hamas. Priez, priez pour bon Dieu capable de ramener juif, yo, pour être capable de accepter Jésus-Christ. Qui c'est Messie, même j'ai ensemble avec nous. Priez pour tous les juifs, Kounia, dans le silence, font cœur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Mettons-nous debout à nos campés. Kounyanoual, priez pour tout le monde qui n'a pas accepté que Jésus-Christ c'est le Messie. Quand plus on nous saute à qui croit, mais qui dit que vous pensez que Jésus-Christ est son monde qui l'a, est un bon nègre, est un bon prophète, vous ne croyez pas que c'est par Jésus-Christ que nous sommes capables d'avoir accès à la vie éternelle. Vous ne pas bah, la mort et la résurrection de Jésus-Christ aucun sens véritablement. Alors, on prie pour vous un jour capable d'accepter que Jésus-Christ c'est la porte du ciel. On nous mettez-nous à genoux, on prie pour tout le monde qui part contre Jésus, qui peut accepter que Jésus-Christ, c'est la porte du ciel. C'est le Fils de Dieu. Priez pour tout le monde ça, yo, qui part contre Jésus, yo, dans le silence, font cœur. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère afin de parvenir à la connaissance de la vérité et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Mettons-nous debout. La prière pour tout athée au Kounia. Actuellement dans le monde, spécialement aux États-Unis, il y a tout un courant de monde qui dit pas qu'un bon Dieu. Un courant qui dit c'est la science seulement qui doit une boussole pour un monde afin de bon Dieu à mettre ça sous côté.
Et nous, ouais, qui va les dégâts, bagay ça au créer. Mais tout, nous qui doit tout dans l'église, donc en pile athée, qui monte capoter descend dans l'église, mais le pas quoi est vrai, ils sont athées fonctionnels parce que ils pas marcher selon volonté bon Dieu. Donc pour tout le monde qui pas croit dans bon Dieu, pour tout le monde qui athée, pour tout le monde qui gagne un comportement qui bloque monde la foi et tout bon, c'est le moment de prier pour eux. On mettez-nous à genoux, Kounia. Priez pour tout athée, tout le monde qui pas croit. Et puis, mandez bon Dieu pour le dire un mot. Pour faire un signe à mon saïo qui est capable de rejoindre le peuple de la foi. On nous prie, Kounia, dans le silence fond cœur, donc, pour tout athée. Et Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes, pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur, et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer les témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À nos campés tout le monde. Konya, nous allons prier pour tout le monde qui est officiel, tout le monde qui est chef. Alors, on retire le mot chef là. Tout le monde qui a une responsabilité dans tel pays côté yoye. Je ne sais pas si on peut prier pour Ariel parce que les l'alba là. Les l'alba là. Si on a prié pour lui. Pour qu'on nous pour qui est prié qui n'a tête Haïti kounya nous avons qui est en tout cas n'a prié pour n'importe monde que bon Dieu pourra le faire qu'a plein tête Haïti parce que Haïti nous qu'a dit pas personne dans tête monde qui dans tête il y a pas qu'à aller il pas qu'à aller donc n'a prié et le au pays apprenez ça le on monde rivé dans tête un pays qu'aurait même monde qu'on pas même c'est bon Dieu qui t'est le rivé là on monde pas qu'à arriver dans tête un pays sans bon Dieu, papa, et permission. Et ça fait son devoir pour un chrétien pour prier pour un monde qui est dans la tête au pays. Alors, pour Haïti qui a gagné, il y a un vrai leader, un leader sérieux, un leader total qui a mis la paix et la sécurité, on nous met nous à genoux, on nous prie. Pour si là que bon Dieu a choisi pour venir dans la tête du pays. Prier pour un monde qui est dans la tête du pays, ça, c'est là que nous sommes là. Hein, qui c'est Joe Biden, priez pour lui. Moun qui est en tête et Somerville là, magistrat Kajana, priez pour toute autorité civile et que bon Dieu passe par eux-mêmes pour permettre que gagne justice, que gagne la paix pour nous capables de parvenir à la prospérité. Priez pour toute autorité civile dans silence fond cœur, Konya. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À nos campés connus. Nous allons prier pour tout le monde nous connaît qui a un problème. Tout le monde qui demande de prier pour lui. Tout le monde qui a une difficulté, même s'il n'est pas doué, mon estimé que le monde a besoin, les nécessités pour mettre non devant bon Dieu.
Parce que dans le problème lié, il n'y a pas retirer tête lui. C'est bon Dieu seul qui a dit un mot pour lui. Donc, pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, frère Sem Kounia, c'est le moment pour nous prier pour eux. On nous mettons à genoux pour dixième intention. Hein. Prier pour eux, mon nom qu'on est Kounia, a fait le pas bon même et mandez bon Dieu pour dire un mot pour lui. Vous mettez citer nos mounsa, mais faites ça dans silence, font cœur. Priez pour mon nom qu'on est capable de persécuter le moment ça. Dieu éternel et tout-puissant, console des consolations des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de te trouver dans leur détresse, le secours de ta miséricorde, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À nos campés. Et vivant, oh.
Thank you.
Oh, my God.
à nous camper, à nous préparer que nous pour la Sainte Communion.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire « Notre Père ». Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Mettons-nous debout. Thank you.
Asseyez-vous. Pendant qu'on regarde la parole pour un cantique, on avait invité à vous déposer qui chante un panier comme support par, comme participation par à l'œuvre de l'évangélisation. Et c'est là à Somerville. Pas oublier, chaque fois au bail, un petit qui chante, il met un dollar. Ce n'est pas quantité au bail là qui est important. Le fait qu'on bail avec tout cœur, ça a aidé de faire de telle sorte que l'œuvre, la mission de Dieu puisse continuer ici. Pendant ce moment, on nous prend cantique ça avec chorale.
Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour. Que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, inclinez-vous pour la bénédiction. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils, dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Apporterai la caïnou en silence, et demain, si bon Dieu content, après chant Gloria, n'a pas capable de recommencer, éclater de joie et recommencer à chanter Alléluia. Bonne soirée à tout le monde. Merci, mon père, à vous de même. Rentrez chez vous en silence.